Salut à tous les amis, ici Cette déconcentration par la musique du Lennon alors qu'on arrive à l'espace gamma de la mort. Fanta gamma kappa, voilà, c'est bon. Les vrais, les purs, les simples. Et chers amis, on fait juste cette petite intro pour vous montrer l'arrivée au-dessus de la planète hostile et inhospitalière pendant que Fanta va chercher sa pizza. Bisous Fanta. Bise, à tout à l'heure, désolé, c'est interruption de tournage. Re les amis, j'ai entendu le baoub du Lennon. Le baoub de l'amour, le baoub de la vie. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on s'était promis d'aller regarder ce que cette nouvelle table de craft robotique absolument incroyable nous offrait. Donc je t'invite à venir et à me rejoindre. Alors, mushroom block, on peut faire des blocs en shroom, c'est ça qui est bon. Paquet d'yurt, on peut enfin comprimer la merde, une grande avancée technologique incroyable, la compression de la bouse, je crois. Ah non, mais un backpack qui fait de l'air oxygéné autour de toi. Ah, un système de survie, exactement. Sauf qu'il nous faut des barres de Durastil, c'est comme de l'acier, mais en plus dur, comme ma bite. Et malheureusement, on n'en a pas à disposition. Un wiring station, qui est la prochaine table de craft. Il nous faut des panels en titane. J'en ai pas. Un star map upgrade d'Mcroix 3, c'est ce qu'on vient de manger. Pixel compressor, ça permet de compresser les pixels, mais t'en perds 40% dans l'opération. C'est-à-dire, si tu compresses 10 000 pixels, ben t'as un cube qui t'en donne 6 000. D'accord, les pixels, ça prend de la place. Bah non, en fait, disons que tes pixels, quand tu meurs, t'en perds 20%. Donc si jamais t'as 10 milliards de pixels et que tu veux pas mourir, enfin tu te dis, bon, bah, je préfère les mettre de côté et les sortir quand j'en aurai besoin et me donner l'occasion de mourir quand je veux. Entendu. Un appareil à peinture, je sais pas comment ça marche, j'ai aucune idée. J'ai vu que tu pouvais changer la couleur. Peut-être. Aucune idée comment ça marche, on fera un test hein, si jamais on trouve sur des teintes. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Portable pixel printer. Alors... permet de donner l'habilité de crafter des objets plus perfectionnés sans aucune table, sans rien. T'appuies juste sur C. Tu sais, comme quand tu fais des bandages ou des trucs comme ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et après, tous les crafts qu'on a pu récupérer. Printable genre... machin, je la trouve pas. De quoi ? Printable machin, je la trouve pas. Portable pixel printer. C'est pas par ordre alphabétique, c'est Non, si. Bon, je m'en fous. Ça y est, j'ai trouvé. Je t'en fais un, je te le donne. Je l'ai. Et ça sert à fabriquer des pixels. Non. C'est une imprimante à pixels, une imprimante 3D portable. Ah yeah, d'accord. Parce que ça ne marche pas comme l'imprimante 3D du vaisseau. Quand tu l'utilises, c'est comme les star maps, ça augmente ta capacité de crafting. Après, tu peux le jeter. Donc, utilise-le une fois, mange-le. Très bien. Je l'ai ? Tu me l'as donné ? Oui, ah je l'ai donné. Mange-le, mange-le. Ça devrait faire un pédébédébédébédébédébédébédé. Ah, je peux... il me dit je peux créer des machins. Toutes mes félicitations, Fanta. Et maintenant, appuie sur C, juste sur C. T'as pas besoin de ça l'a même pas fait disparaître, hein. J'ai toujours... Oui, c'est pour ça. Stocke-le dans ton coffre, on s'en fout. T'as pas besoin de le garder sur toi. Et à partir de là, tu peux créer des objets, notamment les nanowrap bandages. Qui sont en fait des bandages améliorés qui marchent à la nanotechnologie et qui fonctionnent deux fois mieux qu'un bandage normal. Pour ça, ah oui, j'ai des nano machins, ouais, tout à fait. Pour ça, t'as besoin juste d'un peu d'argent et de bandages. Et j'ai pas suffisamment de thunes, il faut croire. Tout à fait. Oui, il me faut des bandages. Non, j'ai pas assez de bandages. Ok, très intéressant, et monsieur Lennon. Enfin, passons à la Metal Workstation parce qu'on va passer à la partie la plus intéressante, les armures. Les armures de l'amour. Alors pour ça il faut descendre. Alors tu remarques que il y a un truc qui s'appelle Decoy Princess, qui est une fausse princesse en fait, une princesse en chiffon, qui doit être à mon humble avis l'objet pour invoquer le prochain boss. D'accord. Il faut 20 fabriques, je sais comment on les fait. 50 barres de titane, je sais pas comment on les fait. Star Map, Steel Hunting Bow, Steel Bar, ok, robot. Faudra vraiment que j'améliore mon arc, j'aime beaucoup. Et quand tu descends, je te passerai le mien, il ne me sert plus, il est en mieux qu'acier, il est le top. Titanium Light, tout ça. Et quand tu vas tout en bas, dans les armures, tu as enfin les armures en or. Attends. Pionnier, Gold, oui, tout à fait. Les armures en or de la classe. Et Pioneers, c'est les armures en sur-or. C'est-à-dire, c'est quand tu as de l'or et tu sais que tu y rajoutes des barres de titane. Elles sont complètement classe. Elles sont surtout très très protectrices. Je n'ai pas assez d'or pour t'en faire une intégrale. Donc je vais te faire le torse, les jambes. Dans Pioneers déjà ? Non, en gold. Ah non, ah oui. Ok, bah, c'est vrai qu'elles sont jolies. Or. Ça m'a coûté tout mon or, mais voici. J'en avais déjà eu. Ah, t'es trop sympa, je te remercie. Je pense bien.
J'en avais déjà une, attends. Hop. Ouais, pour la peine. Et hop. Enfin, je choisis par contre volontairement de garder la couronne plutôt que de... Je retourne sur mon vaisseau pour poser ce bordel. De garder la couronne plutôt que de mettre le casque en or. Parce que même si le casque en or est très joli, la couronne est juste complètement craquée en termes de régénération d'énergie et d'utilisation d'armes à feu. Tu sais, j'ai mes vêtements, on dirait par-dessus l'armure, c'est très original. Ah non, c'est, ça fait un côté... Ah ouais, c'est une cape, hein. Ouais, ok. Tu vas où? On est où? Je suis revenu. C'est toi qui t'es posé au-dessus de Gamma. Par contre, je vais mettre une veste de pirate. Malheureusement, elle est pas de la bonne couleur. Oh yeah! Là, je ressemble déjà beaucoup plus à ce que je suis censé ressembler. Cependant, c'est une apparence. Je suis en armure en or d'Arc Vadorienne, comme toi, en fait. Ok, bah, en attendant de trouver plus beau. Voilà des nano-bandages. J'en ai. Bah, j'en ai fait 32. C'est plus efficace que les Steam Pack ou pas? Les Steam Pack sont moins rapides, comment dire. Les bandages, c'est plus instantané. Les Steam Pack, c'est plus sur la durée. Un Steam Pack en combat, c'est pas conseillé, au repos ça l'est plus. Par contre, tu vois, c'est très rapide, ça me soigne très vite. Il y a un taux de régène qui est très acceptable. Et du coup, voilà. C'est tout, j'ai pas trouvé de meilleure amélioration plus que ça, si je puis me permettre. Il me reste après, bien évidemment, tout l'armement qu'on a. T'as un petit drapeau, mon petit Bob? Pourquoi? Oui, bien sûr, j'ai des drapeaux à l'infini, voilà, c'est j'arrive. Et attends, j'ai un arc, surtout pour toi. L'arc de la toute dernière technologie, dès que j'arrive, Warp Planet. Ah, merci, c'est gentil. Et un drapeau. Oups, je l'ai un peu envoyé dans le trou. Voilà, il est là, il est dans le trou, là, en dessous. C'est quand même costaud, quand même, hein, ce truc. Est-ce que l'arc est mieux ou pas? Bah, l'arc a la capacité d'être chargé, d'être des tas de choses, tu vois. Oui. Oh, intéressant. Mais pour les mondes gamma, je conseille sincèrement un bouclier, Fanta, de rester en mode bouclier parce qu'ils sont... Ils piquent, hein. Ils piquent, les salauds. Ah, d'accord. Ça pique, ici. Enfin, bon. Allons-y. Sur ce, première exploration du monde gamma, et oh, ce terrain plat me dit bon qui va, yé, merde, bouclier. Ah oui, c'est vrai. C'est à eux que j'ai pris les armes. Voilà, l'un d'entre nous va les occuper. Mais ils sont pas vrais. Bon, lève le bouclier, Fanta, lève le bouclier. Ouais. Ah, bien joué. Allez, et j'espère qu'ils vont nous lâcher une arme, Fanta, parce qu'ils nous lâchent une arme, ce sera une arme de niveau gamma, tu vois ce que je veux dire. Oui, ah. Weekend Pen Slasher, qu'est-ce que c'est? Une arme à une main qui fait 43 DPS. Pouah. Ah, bah je veux bien une arme à une main. Probs. D'accord. Voilà. Enfoiré. Allez, je bloque si tu veux. Ah non, lui, il a une épée, c'est bon. Ouais, quand on va au cac, ils ont une âme. Grim Sting Pack. Ouh, attends, putain, on va ramasser ça. Oh, attends, et c'est quoi? C'est bizarre, il est violet, celui-là. Oui. Ah bah, c'est du titane. C'est ça le titane qu'on doit récupérer. À 50 à la douzaine, tu vois ce que je veux dire? T'occupes pas du monstre, on doit s'occuper de cette tour. Attends, je regarde si l'arc est plus efficace ou pas que l'arbalète. Oh. Ah non. Il fait quand même 3 de dégâts à travers mon bouclier, lui. Aïe, il est mort. Eww. Alors, les aviennes, on connaît. Je peux te passer mon épée, mais sur ma partie solo, j'en ai une. Il faudrait que je la récupère. Non, c'est bon, t'inquiète, Bob. Ça prendrait 30 secondes, bon, c'est pas... Ça, on va dropper. Alors... Attends, doucement, là. Doucement. Oula. Tir croisé. Ok. Ça marche que pour Clark. Ouais, ça va ramer du cul, cette méthode. Surtout qu'ils me font très mal, hein. Ok, bah écoute. Épée. Tire-leur dessus. Recule et tire-leur dessus. Avec la machine gun, fais quelque chose. T'as raison. Ça marche ? Difficilement, hein. Essaie de lever ton bouclier à toi. Je peux pas. Mets ton bouclier. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, je vais... Oula, ah merde. Il faut que tu les tapes un peu, sinon il va pas vouloir te suivre, lui. Voilà, super. Ok, ça tient. Ouais. Ah, la mienne est un peu plus puissante, hein. C'est bien, Bob.
Ouais, t'as mangé rien du tout, mec. Eh bah putain! Cool. Effectivement, il pique. Ah, il pique ici, hein. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Prends-les dans le dos. Oh, mais je joue Indiana Jones. Oh, super, ça se vide, ils se vident de leur énergie, les cons. Ouais. Du coup, il y a moyen de faire tank alors. Il y a moyen de tanker, ouais. Ça va plus vite à l'épée quand même. Hein. Ah purée, je suis un peu rouillé. Crève. Voilà, c'est bon. profite du lit, tant qu'à faire. Profitons du lit. Profite pour régénérer. Ça devrait être mieux quand même. Ok, là dans ce genre d'environnement, moi je prends pas le dash, je prends le pulse jump, le double saut. Pour l'histoire Fanta, pour le roleplay, cette tour est une tour du saut. Tu sais que les Aviens sont des hommes oiseaux en fait, qui vénèrent Cluvex, leur divinité ailée, qui est la divinité qui leur a retiré leurs ailes pour les punir. J'arrive. On en parlera juste après. Tiens, fous-le. Voilà. Voilà, très bien. Et qui est la divinité qui leur a coupé les ailes pour les punir. Alors prétendument en fait c'est l'évolution qui a fait ça, mais pourquoi pas. Et du coup cette tour en fait, il y a toujours deux civils qui sont innocents qui s'apprêtent à sauter, parce que c'est l'épreuve d'un baptême. Ceux qui veulent devenir illuminés doivent sauter et voler, et la plupart meurent parce que celui qui réussira à sauter et voler deviendra un dieu du point de vue des Aviens. Et il faut savoir que ça se base vraiment sur la civilisation pas égyptienne, mais tu sais, Maya, sur l'aspect bonne chance. Voilà. Ouais, c'est ça. Un peu comme c'est... le bungee sur certaines civilisations. Un peu comme si je te mettais des poux aux pieds et que je te disais bonne chance pour prouver que t'es Jésus. Voilà, c'est un peu bourrin, je trouve. Ouais, c'est beaucoup de sociétés italiennes font ça, mais je... c'est des mafiosi généralement et ça implique des parfums. Attends, je peux l'avoir là. Aïe, bien joué. Comme je fais rien. Laisse tomber. C'est pas du tout la bonne arme. Alors. C'est ça qui m'a donné des steam packs. Bon, on descend. Tu fais attention à pas tomber trop bas d'un coup. Oh putain! Ah t'es putain! Tombé d'un coup. Oui. Ah, ouais. T'apprendra à pas m'écouter. Pixel. Merde, il s'est pas donné plus d'armes que ça à part cette épée de corps à corps qui est sympathique que je vais te passer. Ok, avec le dash ça va aller vite. Ah, je te remercie. Je vais te la passer finalement. Écoute, moi je vais me servir de mon arme à deux mains. Toi tu serviras de bouclier et de tank. Ouais, bah justement, c'est cher de bouclier, c'est bon. Oh putain! Tu te fais agresser par de la saloperie des lignes. Ah ouais, non, mais ils sont 5 ou 6. Direct. Ah, et ben ça parle mal ici, hein. Bon, c'est pas grave, je me sacrifie. Ouais, il faisait pas mal. Ouais. Ça, c'est ça. Voilà, l'épée. Merci. Excalibur! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yes. Si tu es dans ta équipe, tu vas voir qu'elle va être plus efficace que ton arme de corps à corps normale. Magnifique bug de mon écran. 26, voilà. 43, 18, 40. Ah bah oui. Sublime. Carrément. Hein. Bon, on progresse sur la gauche. Oui. Dachon, mon ami. Ah oui, c'est vrai, dash. Tu peux récupérer le trône si tu veux. Pour dans mon vaisseau. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est toi qui l'as eu. C'est pas grave, c'est ton destin, Bob. Non, mais c'est de la merde, écoute. J'en ai déjà récupéré des trucs comme ça pas mal et. Oula! Bouclier! Ok, bon, on n'est pas équipé. Bah, c'est juste que tant qu'on n'aura pas trouvé d'armes qu'on aura droppé, bah, je suis mort. Ce sont des choses qui arrivent. Bah, whoop. Ah, merde, je me suis trompé de planète. C'est violent, hein. On aurait peut-être pu traîner un petit peu plus sur l'autre partie. Eh ben non, parce que techniquement, on a, comment dire, en bêta, on avait déjà l'armure maximale. Et là, on a déjà l'armure en or, qui est déjà une armure de bon niveau, et il nous manque plus que l'armure maximale de ce niveau-là. Ça veut dire, on pourra pas dépasser, tu vois, ce stade. Ce stade de difficulté. Il faut qu'on affronte les monstres avec ce qu'on a, sinon on n'avancera jamais parce qu'on ne trouvera jamais d'armes de meilleure qualité sur une planète bêta. J'entends. Malheureusement, on est obligé de faire face à la difficulté et à l'adversité. Malheureusement, donc. J'entends. On fait avec. Aïe. Ils sont gentils. Ils ressemblent à des méchants. Ils ont des sales tronches. Voilà.
je leur tape dessus suffisamment. On pourrait peut-être tenter d'aller sous terre, sur une planète, sous une planète comme ça, non? Attends, ce serait rentable ou... Attends, il faut qu'on trouve une aspérité naturelle. Ouais, peut-être qu'il y a plein de diams, un truc comme ça. Bah, en tout cas, il y a pas mal d'argent. Mais l'argent n'est plus important, en fait. Ce que nous cherchons, c'est bel et bien du titane, des trucs comme ça. Titane, c'est ça. Voilà. Sympa, les arbres crochus, là. Mmh. Attention, là. Laisse ton bouclier levé, ils font juste trop mal. Tu peux... Ouh là là, du duracier. Enfin, ah, c'est ça ? C'est du titane, tu vois, c'est cette espèce de fer violet, en fait. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas de fer, mais on ne trouve que du titane. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Agressif. Non ! Ce fail dans les commandes. Je suis mort. Ça va à une vitesse quand tu fais pas gaffe. Ouais, bah moi j'ai eu un coup de bol, quoi. Heureusement que t'as servi de cobaye. Bon bah, continue d'avancer. Jusqu'à ce qu'on trouve une cave ou une aspérité naturelle, je t'y rejoins. Je t'y rejoins en mode full dash. Ah, même les oiseaux, quoi, mais c'est... Même les oiseaux t'agressent ici, à pays de merde, hein, je l'avais dit. Hein. Non mais seulement ils m'agressent, mais en plus ils sont super costauds. Pas qu'ils sont super costauds, c'est que nos armes sont pourries. Enfin, c'est le meilleur qu'on pouvait trouver en bêta, mais... Navré, petite pause. Ah, petite pause. Heureux, ça y est, la pizza est en train de refroidir, mais c'est pas grave, hein, pour la bonne cause. Salut Bob. Ouais, tout à fait. Hein. Je te vois pas à bord de ton vaisseau. Ah bah, je suis allé sur la planète. Ah d'accord, moi je voulais changer parce que c'était moche, on en parlait en off. Ah oui, t'as raison, allez, on se casse. Bon, on se fait défoncer la gueule, ça en c'est plus. Une autre question. Mais non, ça c'est une autre question, on se fera défoncer la gueule où qu'on aille de toute manière, c'est juste que bah c'est moche. Donc forcément c'est pas... Du coup on a mis nos têtes de méchants. Voilà, c'est ça, moi j'ai mis les gros casques par contre, hein. J'arrête de déconner avec la couronne, parce que la couronne sympathique ça vous fait une régénération d'énergie qui est monstrueuse, mais le bonus de défense qu'apporte le vrai casque de tueur... Et juste trop intéressant. C'est tout. Donc, moi, allez, on change de planète, mon petit Bob. Courage, courage. Un désert, street level désert 3. Désert bien, ça. Ouais, a priori, c'est quand même aussi violent. Hein. Oui, c'est aussi violent parce qu'on est dans Gamma. Mais du coup, voilà quoi. On peut. Est-ce que ça marche le truc de concert? Tu veux que je te passe le piano? On n'a pas les mêmes musiques, Bob. J'ai oublié de charger. Oui, non, mais on a qu'à essayer, comment ça s'appelle, il y a une musique qui s'appelle Joy of the World, un truc comme ça. Bah écoute, je prends mon Xylo, on y va. Je sais plus où est-ce qu'il s'appelle, il est ouf. Ah, je peux pas l'utiliser pendant Joy, que je prends Joy to the World. Bah si, il faut que tu te descendes. Tu peux descendre, c'est pas grave. Non, je peux pas. Si, descend, saute, appuie sur... Oui. Hop, et utilise le Xylo. Alors, FBF tout en majuscule. Donc ça, c'est pour utiliser... Le même groupe. Tout à fait. Et tu as dit comment? Joy to the World. FGHIJ. Nice. Ça marche? Ouais, un super concert. Un super concert donné par les cyborgs nazis de l'espace. On va mourir, tu le sais, ça. Ouais, attends, on ressemble au Daft Punk comme ça. Nous, on est trop badass. Allez, viens, on continue. On va mourir. Oh. Bon, suffit. Oh, regarde ça, dès le début, ça commence. Dès le début, ça me plaît. Allez, hop. Ah, oui, yes. Ah, bah oui, c'est vrai. Il aime le sable, Bob. Ouais, ouais, ouais. Là, regarde du titane. Oh, bien, on est tombé sur le bon endroit. Ouais, on est... Oh, pardon, j'oubliais. Moi aussi, mon dash, je remets le dash. Bah, whoop, voilà. Là, c'était là, le drapeau. Ouais. On part à gauche? Allez, d'accord. Essayons. Allons-y doucement. Et souviens-toi, dès qu'on voit une forme de vie, on y va doucement. Hein. Les formes de vie ici sont non seulement hostiles, mais elles nous pètent la gueule. Ah, putain. Je suis en train de merder. Voilà. En diagonale, on avance un peu en diagonale pour se faciliter le passage, et là après on creuse, yeah, de l'argent. C'est bien l'argent, c'est pratique, ça répare la pioche. Ah, je sais pas. Minerai d'argent, tu le prends et tu fais clic droit, et pour 4 minerais, t'as une pioche neuve. Attention! Les caisses sont hostiles, les caisses ne le sont pas. Les machins moches sont hostiles. Ouais, les Denver Rosa du...
Ok, ils font super mal, on se soigne. Ah oui, ils font mal, mais en attendant, on les a pu les tuer vite. Hein. Oui, bah oui, parce qu'on a, on a une grosse arme, mais on se soigne. Voilà, là, c'est juste de l'argent. Là, il y a un peu de Durastil. On fait attention à ne pas toucher les créatures. Bien joué. Jolé. Efficacité. Le machin est donc agressif. De le, du Diams. Oh, yes. Ah, putain. Ah, ils aiment pas le poison hein, ici sur cette planète. Putain, ça fait juste super mal quand tu te prends un dégât à la con par ces saloperies. Juste rien dire. Bon, excusez-moi les machins tout mignons. Je chope le titane. C'est ça. Cette bon, exploration, t'as... comme on est c'est passé ça, dans ça. Mode danger, quoi. Avant, c'était vraiment les bisounours. Là... C'est ça. Bon. Okay. Voilà. Musique de désert. Toi, creuse. Creuse-nous un passage par-dessus. Okay. Oui, ou fais quelque chose, c'est pas de. Ça va qu'il y a beaucoup de gentils, hein. Ouais. C'est agressif, ça. Bute-les. Joli. Fais gaffe, quand tu tapes, ta garde est pas levée, hein. On peut pas faire les deux, hein. Non. Sauf avec un flingue, mais... C'est quoi, ce truc-là? C'est violet, c'est du titane. Je prends quand même. Plus un point à ceux qui reconnaissent la musique, hein. Alors attends, par contre moi je vire la musique du jeu parce qu'entre ta musique et ça c'est une horreur. C'est une cacophonie. Oh putain, merci. Là il y a du cactus. La vraie. Oh, c'est pas grave. Je m'excuse auprès de nos amis parce que... C'est pas grave. Très joli, non? C'est très très bien. Oui, il y a de l'eau, c'est festif. Tu crois que ça sent le guac ou c'est juste une oasis comme ça pour la beauté de l'oasis? Oh, ça sent le guac. Ah ouais? Ah oui, il y a des caisses. Ouais. Il y a des caisses, il y a des pirates, il y a des choses. Attends, il y a plein de fibres surtout. Et nous, la fibre, on aime ça. J'ai tiré sur quelque chose, je sais pas ce que c'est. Bien joué. Oh. J'ai eu un monster, Hardened Monster Plate. Oh. Une plaque dure de monstre. C'est équivalent du cuir, mais de niveau supérieur, en fait. Super sympa, l'endroit. Il y a deux tentes en fait, je propose qu'on en récupère une chacune, ça nous servira plus tard de toute façon, il y a pas de... ça se perd jamais ça, ce genre de truc. Et tu veux pas qu'on aille voir là? On peut tomber dans les profondeurs de l'oubli, mais justement ça nous arrange parce que nous on voulait miner, donc il y aura... juste après il y a les profondeurs de l'oubli, pareil, il y a un shaft. Ouais, et bah écoute, c'est un endroit, le type d'endroit que je connais pas, au cas où je vais prendre mon... Oh shit! Et bon. C'est ça l'astuce Fanta, se prendre d'abord un coup avec un bouclier, tu pars d'abord un coup au corps à corps et tu sais, il y a un petit temps avant qu'il te refasse un dégât, t'as le temps de leur mettre une bifle. C'est original, ce petit endroit sympa. C'est une mine quoi. T'en avais déjà vu ? Oui, c'est une ancienne mine abandonnée, désaffectée. C'est plutôt simple. Putain, il m'a pris par surprise. Souviens-toi, un bouclier, t'attends de parer un coup, puis une fois que le coup est paré, voilà, tu contre-attaques. Et tu prends pas de dégâts, ou plutôt tu prends que 4 points, quoi. Il m'a pris par derrière. Ouh là là, purée. Alors, attends. Dors, là, il y a une tente. Profite. Voilà. Ah. Je ne verrai pas. Et là, ça remonte exactement de là où on vient, très bien. Ah, il n'y a rien au fond. Prenons l'or. Qui traîne dans le petit fond là. Enfin, c'est pas qu'on en a claqué beaucoup à faire les armures, mais un peu quand même. On sait pas quand est-ce que ça pourra être utile à nouveau. Tout à fait. Voilà. Et ben écoute, allons au fond de la mine. Nous faisons pas chier. Allons au fond de la mine et. Oula, attention ici. Hostile. Ah, tu vois, j'ai pas attendu le dégât, je m'en suis pris plein la gueule. Oula, les oiseaux volent bas. Ouais. J'ai eu. Ça lui a pris le respect. Je fouille quand même les caisses au cas où il y ait un instrument ou une cornée de ce genre, il n'y a rien. Toc toc. Knock knock, motherfucker. Ok, bien joué. Très bien joué, Fanta. Hop là, et voilà. Alors attends. J'ai dit, voilà. Une torche supplémentaire. Des caisses, tout ceci est rempli de absolument rien. Pas mal de barres d'acier, 5 par 5. Ah mon dieu, Bob, je vois pas le temps passer. En fait, c'est la fin de l'épisode bientôt. Ah bah, on atteint le bout, c'est bon. On atteint le bout, bah à partir de là, écoute mon grand, on creuse.
on creuse. Ouais, on creuse. C'est largement la fin. Mais ça, regarde, c'est même pas le bout. Enfin, si, c'est le bout, mais agressif ou pas? Agressif. Oui. Attends un peu. Et bon. Pas plus agressif que ça. Il y en a plein des agressifs. On a plus qu'à trouver un endroit à peu près plat pour faire un bivouac. On fait le bivouac et on se dit à la prochaine. Si je crève pas. Ouais, c'est une bonne idée, Bob. Ouais, purée, j'adore commencer des épisodes comme ça. Du sable, est-ce qu'on peut faire l'orgasme de sable avant? Allez, vas-y. Pardon. Ça sert à rien, mais moi je kiffe. Je surkiffe. En plus, le gravier, c'est la même chose que le sable, ça marche pareil. Oui. Il y avait absolument aucune ressource, on s'est juste enterré bêtement, inutilement, et donc complètement stupidement, si je puis me permettre. Et là, tu veux faire quoi? Un voyage au centre de la Terre? On connaît, tu sais. Ouais, mais oui, mais on connaît, mais on est sur une planète gamma, donc les ressources dégueulent, quoi. C'est pas les mêmes. Alors, ouais, c'est clair, c'est pas la même conversation là tout de suite depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça brûle quand même pas mal. Alors, attends, est-ce qu'on peut placer une petite tente ici pour faire un minimum de continuité dans ces épisodes foireux? Alors, oui, une petite tente là. Se perdant par ici, où c'est qu'elles se sont perdues? C'est toi qui les as récupérées alors, les tentes? J'ai une, hein. Petite tente là, un petit feu de camp là, un deuxième feu de camp là, installe-toi tout petit. Je suis au Copwick. Là. Pourquoi il veut pas? Parce que je suis là, je suis dessus. Hop. Ah, merci, voilà, Bob. Les petites tentes Keshua, du plaisir, de l'amour et de la vie. Bah écoute, Fanta, on est bon. Ouais, et rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Hein. Aujourd'hui, on s'est fait défoncer, mais on s'en est bien sorti. C'est ça, on va s'en sortir. On va les défoncer au bout d'un moment. On va trouver des armes craquées et on va bien s'en sortir. Gros bisous à tous et à la prochaine. Pouce vert. Bye.